C'est juste de la merde. Voilà. Je crois qu'on l'a trouvé, quoi. On y est. C'est juste, y'a rien d'autre à dire. Et salut à toutes et à tous, et on se retrouve aujourd'hui ensemble pour la suite de nos aventures dans Diddy's Kong Quest. Et on est reparti donc. Peut-être pour la fin ? Bah non, je pense pas quand même, parce qu'on est à 46% du jeu. Bah quoique en fait, hein, s'il y a 2-3 trucs cachés dans tous les niveaux. Ça peut aller vite, hein, ça peut aller vite, parce qu'on avait déjà vu ça avec Crash Bandicoot, hein, j'avais terminé le jeu, on était à même pas à 100% je crois dans un des jeux. Donc, ça peut aller vite selon le nombre de trucs qui sont cachés un peu partout. Mais enfin bref, on verra. Je mets quand même une petite pièce sur le fait qu'on soit pas loin de la fin du jeu là, parce que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, entre la musique, Ah, tiens, un truc là en bas, ah évidemment. Entre la musique un peu angoissante, le niveau où il faut voilà monter au sommet du château et tout, ça sent un peu la fin quand même. Bon, par contre, faut peut-être que je me remette un peu le gameplay dans les mains parce que j'y ai pas joué du coup depuis un petit moment là. Enfin, depuis quelques jours. Oh, on a eu chaud aux fesses, évidemment. Ça a pas passé, tant pis. Voilà, je commence déjà par faire n'importe quoi. Mais c'est pas grave, voilà, on va rester calme, une fois de plus. Parce que j'ai pu sauvegarder, donc au final, je m'en fiche. Hein. Oui, voilà, on va pas recommencer la discussion, je crois que vous avez très bien compris. Hein. À force, vous le savez, que ça ne me dérange pas de refaire les trucs en boucle à partir du moment où je peux sauvegarder entre-temps. Mais comment je me suis fait touché là, je suis allé trop vite je pense. D'accord, donc là y'a rien. Faudra pas oublier par contre, voilà, donc là y'a... C'est rigolo ces petits passages quand même, parce que ça me fait vraiment penser à... Enfin, c'est évident que c'est fait pour, hein, mais ça fait vraiment penser évidemment à bah, Donkey Kong, c'était Donkey Kong Junior. Vous aviez des niveaux comme ça. Qu'est-ce que je fous? Génial. Je dis une bêtise ou c'était Donkey Kong Junior qui avait des niveaux comme ça? Il me semble que c'était Donkey Kong Junior, si je dis pas de conneries. Où vous aviez des niveaux comme ça, où vous aviez plein de... Enfin, des niveaux. Pas trop les mettre au pluriel, hein, c'était... c'était à l'époque entre l'arcade, l'Atari 2600, mais et la NES. Il est sorti sur NES, Donkey Kong Junior, si je dis pas de bêtises non plus. Il y avait des niveaux comme ça, voilà, où vous vous déplaciez comme ça. J'ai jamais joué, mais... Contrairement au premier Donkey Kong, mais... Mais j'ai vu les niveaux de à quoi ils ressemblaient. Ça ressemble vraiment à ça. Voilà. Tout en prudence, en délicatesse. Alors là, qu'est-ce que... Ouais, d'accord. Ah oui, voilà, d'accord. Je me souviens de ce passage-là. Ok. C'est bizarre, je me souvenais pas que ça ressemblait à ça. Enfin, je pensais que... Ouais, non, mais ok, d'accord, pourquoi pas. De toute façon, voilà, c'est pas trop... Alors là, il va falloir retrouver le bon moment. Ouh, c'était chaud, là. Hein. C'était très chaud, là. La musique est un peu angoissante, elle est sympa aussi. Ah, merde, elle est revenue trop vite. Ok... Tu vas monter, j'imagine. Ah merde, j'avais oublié ce comique. Finalement, j'avais... Ah, en plus, il y avait un truc là derrière, il y avait un tonneau là derrière. Parfait, en plus, cet ennemi, il peut rien nous faire. Et en plus, eh ben, il gardait juste un tonneau, donc ça, c'est cool. Voilà, là, il faut que je lâche Y, parce que sinon, on saute trop haut, et sauter trop haut, ici, c'est un problème. Des petits éléments de gameplay hein, qu'il faut apprendre à gérer. Bon, ça va, il y a quand même 2-3 éléments de gameplay que j'ai réussi à comprendre. Mais... Ah oui, c'est vrai, voilà, là il y a la gauche-droite. Allez, vite! Du bol là. Alors, on va voir, qu'est-ce qu'il y avait ici? Ah oui, c'était pas. Je crois que c'était là que j'étais mort, non? Ah bah voilà! Merde, je suis con, j'aurais pas dû faire ça. Ouais, si, ça passe. Ça devrait passer si je suis assez rapide. Voilà, ok. Ah non, puis oui, d'accord, ok. Là, je vais devoir descendre, ok. Donc, ouais, j'ai fait la même chose, c'est-à-dire qu'il va falloir que je rattende 25 minutes qu'elle revienne, mais d'accord, ok.
Autant de prudent et y aller gentiment. En plus, là, ça nous fait gagner un peu de temps. Ça va encore plus vite comme ça, effectivement, j'y ai pas pensé, mais... je suis pas obligé de m'agripper à chaque fois, je pouvais juste sauter, c'est pour monter que c'est plus compliqué, mais... Je crois que c'était exactement là où on était mort, la dernière fois, c'est l'endroit le plus loin où on avait réussi à aller. J'allais dire, elles en mettent un temps à remonter, les abeilles. Punaise. Non! D'accord, ouais, ok, donc eux ça va, ils me dérangent pas. Ah merde, ah non, c'était, je crois que c'est... Ou c'était là que je m'étais fait avoir, parce que il me semble que je me souviens, mais déjà fait avoir par ce piège pourri. Des vautours qui vous foncent dessus, là. Aïe. Quoi, une vie? Et c'est fini? Mais j'hallucine. C'était quoi, ça? Oui, c'est une pièce, en plus. Bah oui, parce qu'il va me falloir une pièce pour les sauvegarder. Non, mais attendez, j'hallucine complètement. Il était pas si dur, il était pas dur du tout ce niveau en fait. Il était plutôt cool en plus. Le problème c'est qu'il va me falloir une pièce pour les sauvegarder. Donc c'était où? C'était que c'était simple d'en trouver une. C'était, non, c'était pas là, c'était en dessus. Hein. Voilà, c'était celui-là. Allez, on va même pas se faire ça en ellipse, on va juste se refaire un petit bout comme ça. Voilà, juste pour le plaisir de se revoir ce petit niveau là. Allez, parce que bah oui, hein. Non, il était franchement, il était pas mal du tout ce niveau du... Il était pas si dur que ça, hein, au final, loin de là. Ah merde, je suis con, je devais faire ça pour avoir le rhino. Ouais, c'est mort du coup. Génial. Bon, on va faire 100. Ah bah merde, je me suis fait avoir quand même. Fantastique. Ouais, bah pire, plus je suis mort. J'ai tout raté, c'est formidable. Il me reste une vie, donc on va peut-être éviter de mourir maintenant sur un niveau que j'ai déjà fait. C'est un peu con quand même. Non, c'est bon, je vais avoir assez de bananes pour récupérer une vie au moins, mais... Non, non, il était vraiment cool ce niveau, hein. il était un peu technique, il y avait toutes sortes de petits pièges, mais sans que ce soit trop injuste. Et même le fait qu'il n'y ait pas de checkpoint, c'était pas franchement un problème, hein, vu que bah, le niveau il se passait bien. Donc non, franchement bien sympa ce petit niveau. Franchement ce dernier monde, il est pas, si c'est vraiment le dernier monde, mais en tout cas ce monde là, il est vraiment pas si dur que ça, hein. Et il est plutôt cool même. Des éléments de gameplay qui changent, le fait qu'on puisse sauvegarder, ça c'est important. Au début on ne pouvait pas sauvegarder, mais dans les niveaux, mais ça me dérangeait pas, vu que dans les niveaux c'était complètement fair, hein, vu qu'on avait tout à fait la possibilité de, même sans sauvegarder, de pouvoir refaire à l'infini, vu qu'il nous donnait une vie facilement. Donc non, non, vraiment, hein, ce monde-là, il est tout à fait réussi, hein, j'ai vraiment rien à redire. Non, on va sauvegarder, ouais. Je sais pas. Ouais, si, allez, on sauvegarde ici. Je pense pas que j'ai eu besoin de revenir en arrière. Au pire, on peut récupérer des pièces, là, dans ce niveau-là. Allez, 47%. Non, franchement, ce monde-là, il est vraiment pas mal du tout, hein. Mais il me semble que c'était pareil dans le premier Donkey Kong Country. Il me semble que le dernier monde, il y avait vraiment pas, il était pas mal du tout. Et le monde d'avant, c'était une espèce de purgatoire de l'enfer abominable. Toxic Tower, ce niveau. Donc, c'est pas encore le boss. Oula. Donc Toxic Tower, c'est-à-dire que... D'accord. Pourquoi? Ah d'accord, évidemment, il y a le plutonium qui monte. D'accord, donc je pense qu'on va devoir... D'accord, donc c'est du scrolling forcé, évidemment. Pour éviter de... Voilà, génial. Et puis si on tombe dans le plutonium, on meurt, c'est évident. Bon, alors un niveau au scrolling forcé. C'est toujours bien ça. Non, merde. Mais quoi, mais que... J'ai même pas compris comment j'ai fait pour survivre, mais c'est pas grave. Et là, je me suis fait avoir, évidemment. Ouais, l'ennui, c'est que. Oh, mais vas-y. Ah, par contre, les ennemis, eux, ils ont pas de problème avec le plutonium, hein, ça leur fait pas de dégâts, évidemment. Allez, si j'arrivais... Voilà, déjà, à pas me faire toucher de bêtement ici, ça serait déjà un bon début. Oh, mais comment tu veux passer ça? C'est pas possible, je suis obligé de rush comme un gros taré parce qu'il y a le...
Mais pourquoi ça... C'est incroyable, hein. Ah, oui, merci. Oui, game over, je sais. Merci. Ouais, merci, je l'ai vu, je sais. Est-ce que je peux recommencer? Oui, merci. Je sais que c'est Rare qui a fait ce jeu. J'ai vu l'écran titre. Je veux juste recommencer, s'il vous plaît. Ah. Allez, c'est parti. Bon. Alors, et j'ai même pas besoin du DK, là, vu que... Vu qu'on reprend direct. Voilà, donc là, je peux choper le serpent. Bon. Déjà, réussir à arriver jusqu'ici sans me faire toucher, c'est déjà un bon début. Ah, et oui, évidemment. Et là, genre, j'étais pas du tout... Je lui ai pas du tout sauté sur la tête. Non, non, bien sûr. Non, non, bien sûr. Mais bordel, ça fait trois fois que j'appuie sur le bouton pour sauter sur l'ennemi. La première fois, ça marche, puis la deuxième, ça m'envoie dans le gouffre. Truc de fou, encore. Buggé du cul, ouais. Non, mais... Mais merde, ça aussi c'est buggé. Ah, c'est un chiant, ils nous ont mis ces ennemis juste pour nous emmerder, quoi. Enfin, évidemment, enfin, vous allez me dire, évidemment, c'est le but des ennemis, mais... Ouais, bon, là, j'ai fait nimp. J'arrive pas à avoir le bon rythme. C'est clairement le genre de niveau où il faut avoir le bon rythme pour passer, mais... Je veux dire, c'est un peu un de ces niveaux à la Super Meat Boy, là, où vous devez être super précis et super rapide et avoir exactement le bon rythme pour faire tout le niveau d'une traite. Oui, bien sûr, évidemment. J'étais pas sur sa tête, c'est vrai. Non, non, j'avoue. Non, non. Ah. Sérieusement, on a recommencé ce niveau au moins 10 fois. Je suis déjà mort 10 fois à cause de bugs pourris de Hitbox, quoi. C'est un truc de fou. Entre l'ennemi qui nous tue alors qu'on est sur sa tête, sans aucune raison. Les abeilles qui vous font pas rebondir. Voilà, cette fois-ci, ça a marché. Qui vous font pas rebondir alors que vous appuyez de la même manière sur le bouton. Voilà, là j'appuie, là j'ai rebondi. Ah non, là j'ai pas rebondi sur la première déjà, donc j'avoue. Non, non, là j'avoue. Elle m'a déjà mis dans le précipice la première. C'est très bien. Bon, j'ai déjà plus de vie, donc voilà. J'ai envie de dire, on va même pas se faire du mal. Hein. À quoi ça sert de continuer? Bah alors, qu'est-ce qu'il attend le plutonium là? Ah, il faut que je saute là pour qu'il commence à monter, c'est ça? Non, même pas. Bon, bah vas-y, bouffe-moi le cul, ça ira plus vite, merci. Allez, c'est pas grave. Ah, oui, ça par contre c'est grave. Oui, je sais. S'il vous plaît. Je veux rester calme aujourd'hui encore. Arrêtez. C'est déjà mal parti, hein, j'avoue. J'avoue que c'est déjà mal parti. J'aimerais. Non, mais non, non, j'ai juste envie de continuer à jouer. C'est chiant. Allez, je m'en fous de tous vos écrans. Oh là là. C'est difficile. Là. Vous voulez vous concentrer sur le jeu et vous devez vous taper tous ces trucs de game over inutiles entre deux. Je suis au courant que je suis mort, merci. Bon, alors là, on peut passer les deux d'un coup. Voilà, si ça marchait, hein, c'est-à-dire que si appuyer sur le bouton pour rebondir sur les ennemis marchait, ça rate une fois sur deux. Hein. Voilà, là, ça a marché. Oh là, ça a marché, incroyable. Incroyable, ça a réussi. J'ai réussi à faire marcher le gameplay, ça c'est pas beau. Ouf. Merde, il faut que je me charge. Hop. Hop. Mais non, mais c'est impossible. Mais vous pouvez pas sauter si haut, c'est pas possible. Oh là là. Ouais, non, mais alors, attendez, c'est du scrolling forcé, et puis que je comprends pas le gameplay, en plus, ça va pas être pratique. Parce que là, c'est moi qui comprends pas le gameplay, parce que je comprends pas qu'on est censé sauter plus haut avec ce truc. Enfin, j'ai bien compris maintenant qu'on peut charger un peu, oui, pour sauter un peu plus haut. Mais comment vous voulez que je saute si haut, là? C'était pas possible, on est d'accord. Enfin, pas de la manière dont je le fais, moi, donc... Voilà, donc là, en fait, faut y aller direct. Là. Voilà, ça, une fois de plus, ça a pas marché, donc on meurt bêtement. C'est pas grave, surtout, c'est surtout, faut rester calme. C'est ça qui est important, c'est de rester calme. On l'a vu la dernière fois, hein, c'est important de rester calme parce que...
que tant qu'on reste calme, on a encore une chance d'y arriver éventuellement, à passer la foi sur 10 que le gameplay vaut bien marcher. Parce que sinon, sinon même cette fois-ci, on la rate, donc voilà. Et voilà, et voilà, et voilà, encore une fois, le gameplay marche pas. Formidable! C'est incroyable! C'est incroyable! Je veux dire... Vous allez me dire, c'est moi qui suis mauvais, peut-être? Mais quand je joue à un Mario à Castlevania... Alors certes, je meurs aussi en boucle parce que je suis pas bon, mais je meurs pas parce que le gameplay est pourri, je suis désolé, hein. Quand je dis que le gameplay est daubé... J'exagère rien, hein. C'est vraiment, avec un Mario à Castlevania, vous avez aucun problème de gameplay. Voilà, là ça va passer, on sait pas pourquoi, je fais exactement pareil. Et là, ça va pas passer. C'est un truc de fou, quoi. Ça marche juste pas. Ça marche une fois sur 10, quoi. C'est ça qui est frustrant, aussi. C'est quand le gameplay, il marche jamais de la même manière. C'est un truc de fou, quoi. C'est-à-dire que vous avez juste un tout petit moment où vous pouvez appuyer pour faire le saut sur l'ennemi, puis après ça marche plus. Et avant, ça marche pas non plus. Allez, on s'en branle, je veux jouer. S'il vous plaît. Ça y est, ça commence. Ça commence à me gonfler. Mais non, c'est ça qui est un truc de fou, quoi. Vous prenez n'importe quel Mario, n'importe quel Castlevania, n'importe quel, je sais pas moi, n'importe quel Megaman, vous... Bon, le Megaman, c'est pas pareil, parce que vous sautez pas sur les ennemis, mais... Mais l'idée est pareille aussi, Megaman, ça a aussi un gameplay bien particulier, mais le gameplay, il marche, quoi. Quand vous mourrez, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même, parce que c'est vous qui... C'est pas une fois sur 10, ou une fois sur 10, le gameplay qui marche, puis le reste du temps, le gameplay qui marche pas, quoi. Voilà, là, ça a passé, je sais pas pourquoi, hein. Je fais exactement la même chose que d'habitude, là, ça a passé, donc... on va être contente, on va être satisfait de ça, déjà. Soyons satisfaits que le gameplay marche, une fois de temps en temps, parce que... Par contre, là, ça va être un peu plus embêtant. Voilà pourquoi c'est plus embêtant. Parce que cet élément de gameplay, là, c'est pas le gameplay qui marche pas, c'est moi qui l'ai pas compris. Donc ça aide pas. C'est-à-dire que la première moitié de la partie, le gameplay marche pas, et la partie d'après, le gameplay, je le comprends pas. Donc du coup... Et c'est pas comme si on avait vraiment l'opportunité de nous entraîner, hein, vu qu'on est en scrolling forcé. Et bah ouais. C'est toujours fun, ça. Je ne sais pas comment il marche, ce serpent, donc vu qu'on n'a pas 10 secondes pour s'entraîner... On m'a dit que je pouvais charger mon attaque avec le bouton. Ah là, c'est moi qui ai raté mon saut, là, bravo. Celle-là, je l'avais pas encore fait. Je sais bien hein, qu'on peut charger notre saut avec B, mais... Ce qui, en soi, est très bizarre aussi, hein... Je veux dire, ça vous fait vous tordre le pouce d'une manière bizarre, ils auraient mieux fait de nous mettre les coups spéciaux sur Y. Hein. Bah oui, parce que Y, il est au-dessus, et c'est la touche du haut, quoi. Parce que vous enfoncez la touche de gauche pour sprinter, courir plus haut, vous appuyez à la base du pouce en bas pour sauter. Bah du coup, pourquoi pas avoir les attaques supplémentaires sur la touche du haut qui est au sommet de votre pouce. Plutôt que sur la touche de droite qui vous fait bouger votre pouce de manière chelou et lâcher les autres touches. Voilà, et le gameplay marche pas, fantastique. Alors attendez, on va pouvoir tester un coup. Est-ce que je peux sauter plus haut que ça? Mais non. Il y a un truc que je comprends pas, et on va pas pouvoir passer le saut si je le comprends pas. Donc il faut que je comprenne comment on peut sauter encore plus haut avec le serpent. Mais comment est-ce que je vais faire pour comprendre ça, sachant que bah, je peux pas m'entraîner, donc... Voilà, là on commence à connaître. Hein. Voilà, là ça a passé, parfait. Là ça a passé, parfait, très bien. Voilà, merci. Quand le gameplay veut bien marcher, c'est tout de suite mieux. Parce que sinon, quand le gameplay marche, y'a rien de dur, on est d'accord. Ces passages-là, ils sont tout sauf compliqués. Mais regardez là par exemple, je laisse enfoncer à gauche et à droite. Je suis obligé de me tordre la main de manière super chelou. C'est un peu bizarre quand même. Je suis désolé. Allez, saute! Mais c'est impossible d'aller si haut! Mais comment tu veux? Allez, charge à l'infini! Mais non, on est d'accord, c'est pas possible d'aller si haut. J'allais dire, j'ai trouvé comment monter parce qu'il y a un tonneau, mais non, en fait, le tonneau il vous remet juste là. C'est juste pour une vieille pièce d'éca qui sert à rien. Comment je fais ce saut? Sérieusement, comment je fais? C'est un truc de fou!
Ah non. Oui, je sais, Game Over. Merci. Allez. Comment je fais? Mais c'est pas possible, quoi. Mais comment ça marche? Non, mais c'est pas possible. Comment tu veux faire ce putain de saut? C'est pas possible. Je peux marteler ma manette autant que je veux, ça marchera jamais, quoi. Tu peux pas sauter si haut. C'est complètement con. Voilà, puis là, je suis mal parti. Là, j'ai fait n'importe quoi. Ah, et là, je l'ai... Là, je l'ai tué. Mais comment? Comment j'ai tué l'ennemi? Là, j'étais dessous. J'étais même pas... Si tu veux. Oh, et après, on va me dire que je suis mauvaise foi. Comment j'ai tué l'ennemi? J'étais même pas dessus, même pas... Il n'y a aucune chance que je pouvais toucher l'ennemi, là. C'est vraiment daubé, ces hitbox. C'est un truc de fou, quoi. Comment j'ai réussi? C'est pas possible. Il y a des fois, vous êtes pile sur sa tête, vous le tuez pas, puis là, je l'ai eu, alors que j'étais même pas... J'étais dessous, quoi. C'est lui qui me saute sur la tête, c'est lui qui meurt. Truc de fou, quoi. Oh, bugué du cul, c'est incroyable. Il est insupportable, ce personnage, à jouer, en fait. Il est rigolo, parce que c'est un serpent, puis il saute, voilà, c'est... Oh, putain, ce village, à chaque fois, le pire, c'est qu'il faut se tordre la main comme un gros fou pour réussir à faire ses sauts, quoi. Je crois que je vais remapper les touches, en fait. Allez! Mais c'est pas possible! Comment tu veux que j'aille là-haut? Allez, mais vas-y, va-t'y sauter, connard! Allez, c'est ma dernière chance, et tout. Et c'est même pas genre vous pouvez profiter des tonneaux que l'autre y tire. Parce qu'ils sont trop hauts, donc ça marche pas. Mais non, mais c'est impossible, voilà. Bah voilà, c'est impossible. Qu'est-ce que. Bah voilà, c'est fini, le let's play est terminé. Je peux pas passer ce saut, on est d'accord. Je vais être obligé d'aller chercher une soluce. Sérieusement, une soluce pour un jeu de plateforme, vous êtes sérieux? On en est là? Mais il y a un truc que j'ai pas compris. Enfin, évidemment qu'il y a un truc que j'ai pas compris, mais. Non, sérieusement, ça peut pas être aussi nul. Mais y'a personne qui sait comment faire ce saut en fait, c'est complètement pourri. J'ai pas passé. Ah merde, j'ai oublié de stopper le chrono. Là. Comment vous êtes censé faire ce saut moisi là? Non mais d'accord, mais ça c'est du speedrun, je m'en contrebranle, je sais juste savoir comment faire passer ce saut. Ça commence à vraiment faire mal à la... Non mais j'arrive plus, hein. Ça commence vraiment à me faire trop mal à la main, c'est... Et puis là, je peux même plus... Mais d'accord, je peux plus starter ces lacs, super. Ça commence vraiment à me faire mal à la main, quoi, c'est un truc de fou, quoi. Pourquoi on est obligé de se tordre le poignet comme ça pour jouer à ce jeu? C'est incroyable. Je crois que je vais... Non, mais je vais remapper, hein. Je vais changer les touches, c'est pas possible. Je vais crever, hein. C'est incroyable, vous êtes obligé de vous crisper, de vous tordre le poignet comme un taré pour réussir à faire ces sauts, ça... Les mecs qui ont joué, qui ont développé ce jeu, ils ont jamais joué à Mario, quoi. C'est un truc, c'est fou, c'est juste fou, quoi. Ils ont jamais joué à Mario, ou à Megaman, ou à n'importe quel jeu de plateforme. Ils ont pas compris comment ça marchait un jeu de plateforme, en fait, c'est ça le problème. Y a pas moyen d'aller si haut, quoi. Tu peux pas, c'est impossible. Voilà. On peut pas, voilà, c'est terminé, bah voilà. Ah, c'est rigolo, ça. Alors, celle-là, elle est belle. Alors, celle-ci, elle est jolie, quand même. Ça, c'est beau. Ça va s'arrêter un jour ou pas du tout? Non, je crois pas, en fait. J'ai trouvé un... Super, génial. J'ai même réussi à trouver un bug. On va quand même bouger parce que... Voilà, d'accord, j'ai même réussi à trouver un bug, fantastique. Ah d'accord. Non, mais bien sûr, j'ai même réussi à trouver un bug, c'est... C'est pas vraiment un bug, c'est parce que voilà, on est invincible. Oh, allez, parce qu'on est invincible pendant qu'on est... pendant quelques secondes, mais bon. Oui, quand tu veux, tu me fais revenir au jeu. Ça commence à me gonfler l'anus, ça aussi. Non, mais ta gueule, mais... Dégage, remets-moi dans le niveau parce que sinon je casse un truc. Là encore.
J'en peux tellement plus. Sérieux, j'en peux tellement plus. Ça va faire une demi-heure que je suis là. À faire refaire et refaire ce passage de merde en boucle. Sans même comprendre comment je peux passer. C'est même pas genre quand le gameplay marche pas, puis que bah, vous savez que bah, voilà, il faut juste prier pour que la fois d'après ça marche. C'est même pas ça. Là, c'est genre legit, je sais pas ce que je dois faire pour avancer. C'est mal branlé à ce point-là, quoi. Voilà, ça marche juste pas. Y'a rien à faire, tu peux pas sauter là-haut, c'est impossible. C'est, je sais pas. C'est impossible. On en est à là. On en est au point où le jeu est tellement frustrant et pas amusant que bah juste j'ai plus envie d'y jouer quoi. On en est à ce point là. Est-ce que tu vas marcher, espèce de merde? Mais non, ça marche pas. Bah non, mais. Donc appuyer ces deux boutons là, ça marche pas. Laisser ces deux boutons là appuyer, ça ne marche pas. Appuyer juste sur ce bouton là, ça ne marche pas. Non, mais y'a rien. Je ne peux rien faire. Voilà. Le double saut, il est pas activé quand on se fait toucher, c'est seulement quand on tombe d'une plateforme. Voilà, là, évidemment, là je l'ai eu, évidemment. Bon, le gameplay a bugué du cul, comme d'habitude. Je crois que, voilà, il n'y a plus rien à dire. Tout le monde le sait, je crois, hein. Je pense qu'on l'a assez vu. C'est incroyable. Mais bon, voilà. Franchement, quoi. Putain, ça fait ce sou aussi. C'est juste, voilà. Bah on y est, hein. C'est donc officiellement fini. Je crois qu'on va s'arrêter là, parce que, bah voilà. À quoi ça sert? Je vais pas passer encore 8 ans là-dessus, hein. Je veux dire, je vais pas perdre mon temps. Je suis désolé, hein, mais je crois qu'on va s'arrêter là, parce que c'est impossible, voilà. Je veux dire, y a rien d'autre à dire. On en est au stade où c'est impossible, voilà. De sa race de merde, je resetais la console, ça ira plus vite. Allez, reset-moi ça. Allez, je commence à en avoir ma claque de cette merde. Oh, putain, j'aurais pas dû faire ça parce qu'il faut se passer slow de pourri. Allez, je m'en prends les couilles, je veux jouer. Non, en fait, non, je veux même pas jouer, mais je veux que ça se termine, quoi. Je veux que ce cauchemar se finisse. Non, je voulais pas rentrer là-dedans, dégage. Je sais plus, je sais plus quoi dire, je sais plus quoi. Merde, bit connerie de saloperie de hitbox moisi. J'en peux plus, mais quel jeu pourri, c'est incroyable quoi. Franchement, mais. Je comprends pas. Hein. Le premier Donkey Kong à la limite, mais celui-là, mais. Le premier à la limite, il y avait des trucs qui étaient pires, hein, mais celui-là. C'est juste de la merde quoi. Franchement, j'en peux plus quoi. J'en peux plus. C'est juste pourri, c'est pas possible quoi. Oui, d'accord, le jeu est pas moche, d'accord. Graphiquement, le jeu est pas moche, c'est vrai. Il est pas incroyable, honnêtement. Il est pas incroyable, il est juste pas moche, c'est vrai. Il est pas mal, c'est pas mal. C'est pas Castlevania, mais c'est pas mal. Les musiques sont plutôt cool, pareil. C'est pas Castlevania, mais c'est pas mal. Ni Mario, ni Megaman, hein, on est d'accord, mais voilà. Enfin, bref, voilà. Techniquement, ça passe, mais le reste, y'a rien qui va quoi. Le gameplay est foireux, y'a des bugs de caméra, c'est. C'est pas possible, quoi. Je veux dire, mais ce jeu... Mais... C'est rien qui marche, quoi. Y'a des bugs partout, y'a rien qui marche comme ça devrait. C'est juste frustrant, c'est... J'en peux plus. C'est le but de faire une suite, c'est de faire un jeu mieux, quoi. Pas de faire un jeu pire. C'est-à-dire qu'ils ont gardé, ils ont rien gardé qui marchait dans le 1, ils ont juste rajouté des trucs qui marchent pas, quoi. Ils ont enlevé des trucs qui marchaient dans le 1. Et ils auraient réussi l'exploit de les remplacer par des trucs qui marchent pas, quoi. Et ce jeu est culte, quoi, c'est ça que je comprends pas. Genre, vraiment être con, c'est pas possible. Parce que ce jeu, il est censé être culte, hein. Le 2, il y a tout le monde qui l'aime bien, mais je comprends pas comment on peut aimer ce jeu, quoi. Non seulement il est pire que le 1, mais en plus il est pire que beaucoup de choses, hein. Ce saut de merde.
Mais voilà, mais tu peux pas... Tu... Ça, ça marche pas, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis... Ok, j'ai compris. Oh non, de Dieu, j'ai compris. Ça aura mis trois quarts d'heure. Ça aura mis trois quarts d'heure. Je commence à avoir une tendinite, tellement je dois tordre la main dans tous les sens pour réussir les sauts avec ce serpent moisi. Mais j'ai tout compris. Et en plus, c'est complètement con. En plus, c'est complètement con. Mais quand je dis que le gameplay est pourri, mais c'est incroyable! Mais c'est pas vrai. C'est pas possible. Mais ils ont pas fait ça. Ça c'est un... J'arrive pas à le croire. Trois quarts d'heure pour réussir à trouver que c'était ça, quoi. J'ai fait toutes les combinaisons de tous possibles et inimaginables sur ma manette. Merde, là. Mais je crois que j'ai trouvé. J'ai fini par trouver. Et là, j'ai traversé l'ennemi, mais je l'ai tué quand même. Un bug de plus pour la collection. Merci beaucoup. C'est un truc de fou, quoi. Non, merde. Là, je peux encore y aller comme ça. Ce qui veut dire que je vais peut-être pouvoir finir le jeu sans avoir abandonné. Non, mais c'est ça, quoi. C'est comme ça que ça marche, mais... En fait, il faut pas appuyer sur le bouton de saut pour sauter. Il faut lâcher le bouton qui... En fait, vous appuyez sur A pour loader. Et vous devez lâcher A sans appuyer sur le bouton de saut pour sauter, quoi. Mais ils sont sérieux. Mais... En fait, il faut pas appuyer sur le bouton de saut. Parce que si vous appuyez sur le bouton de saut... Eh ben, vous sautez pas. C'est pas vrai, mais... Mais c'est des clowns qui ont programmé ce jeu. C'est pas possible. Mais c'est n'importe quoi, mais... Mais... Vous devez pas appuyer sur le bouton de saut pour sauter. Ils sont sérieux, là? Mais c'est qui a fait ce jeu? Mais comment c'est possible de faire un jeu aussi daubé niveau contrôle? Là, voilà, je vais me faire avoir. Non, c'est bon, j'ai réussi à passer de justesse, mais... Donc, c'est bien ça. Pour pouvoir sauter plus haut avec le serpent, il faut pas appuyer sur le bouton de saut. Mais ils sont sérieux, quoi, les mecs. C'est incroyable. Et j'ai perdu trois quarts d'heure de ma vie à me tordre le poignet pour ça, quoi. Pour comprendre que pour sauter plus haut, il faut pas utiliser le bouton de saut. Ah non, c'est ça, voilà. En fait, si vous appuyez sur le bouton de saut, vous sautez moins haut que si vous utilisez pas le bouton de saut. Mais c'est quoi cette merde, quoi, franchement? Et venez pas me dire que je suis de mauvaise foi, hein. Mais pourquoi il le fait plus, là? Oh, puis là, il faut que... bah, oui, évidemment, mais si le gameplay bug maintenant, bah, oh là là. Non, mais c'est pas possible, quoi. Je vais remettre le chrono en route. Je me suis arrêté, on était à 20 minutes de vidéo, ça fait une heure et demie que j'enregistre, quoi. C'est un truc de fou. Au moins, on a compris comment avancer, mais je vois vraiment pas l'intérêt de continuer encore, parce que alors là, j'en peux juste plus, quoi. C'est quoi ce vieux bug encore? C'est pas vrai. On se bloque partout, en plus, mais... Je suis en train de m'étouffer par-dessus le marché. Non mais c'est pas possible, quoi. Non mais je suis désolé, hein. Franchement je suis désolé, mais non, ce jeu il est pourri, hein. Je peux pas dire autrement. C'est mon avis, encore une fois, hein. C'est pas, je parle pas au nom du peuple, hein. Une fois de plus, c'est mon avis, mais je suis désolé. Ce jeu, non seulement il est moins bien que le 1, mais en plus il est pas bon tout court, quoi. C'est pas possible, y a rien qui marche dans ce jeu, quoi. Le gameplay il est juste foiré du début à la fin. Franchement, quoi. Vous avez un perso, vous devez charger son saut, et en plus, il faut pas appuyer sur le bouton de saut pour pouvoir sauter, quoi. Ça veut rien dire. Merde, quoi. Ça ne veut juste rien dire, quoi. Et comment je fais, là? Ouais, comme ça, d'accord, ok. Heureusement que j'ai compris, hein, parce que maintenant, apparemment, tout le reste du niveau, ça va être ça. Je dois aller où, là? Heureusement que la musique elle est... Mais pourquoi je suis mort? Heureusement que la musique là, elle est à peu près sympa encore. Vraiment c'est le seul truc que je peux dire sur ce jeu, quoi, que techniquement il est pas trop mal, quoi. Je comprends pas comment ce jeu là peut devenir culte, quoi. Alors qu'il y a des jeux qui ont été complètement oubliés, qui sont tellement meilleurs que... Ah, puis maintenant faut passer avec le perroquet, d'accord.
Bon, au moins le perroquet il a pas un gameplay daubé. Si on accepte le fait que ses tirs partent pas droit, mais au moins son gameplay il est pas daubé quoi. Voilà, là ça marche. Bon. Ok, d'accord. C'est pas grave. Évidemment, on se stresse aussi parce qu'on sait qu'il y a le plutonium qui monte derrière. Mais... Non, merde. Ah, flûte. Ah, punaise, et puis il me reste plus qu'une vie. Oh là là, puis après, faudra que je me refasse tout. On a eu un checkpoint, je crois. Hein. Non, mais je suis désolé, ce jeu il est juste beaucoup trop frustrant, quoi. Y'a rien d'amusant avec. Hein, c'est... Ouais, bien sûr, évidemment. Ouais, vas-y. Si tu veux, d'ailleurs je me suis rendu compte que... Non mais en fait les animaux dans ce jeu ils sont pourris aussi, c'est ça qui est fou quoi. Les animaux, dans... quand vous aviez un animal dans le 1, vous étiez content quoi, parce que c'était rigolo, ça changeait un peu le gameplay, puis ça marchait. Là ça marche pas quoi. Les seuls animaux qui sont bien dans le 2, c'est les animaux qui étaient bien dans le 1, donc... J'avais pas besoin de remplacer par des animaux qui marchent pas quoi. Bon celui-là encore ça va à peu près. Vous pouvez le voir, je m'en sors je m'en sors relativement. Mais deux fois, parce que j'arrive plus à me concentrer en fait. Mon problème, c'est que là, ça va faire 2 heures que je tourne et j'en peux plus quoi. Je crois qu'on va s'arrêter là hein, parce que. On va faire une vidéo de 10 minutes et puis. puis tant pis hein, parce que. Non, j'ai fait casser ma manette en double. Non, surtout que dans cet état-là, je vais pas y arriver. Hein. C'est juste, j'arrive pas à croire qu'on a passé un épisode. Non, mais je crois qu'on va s'arrêter là. Je crois que je vais tout couper. Parce que là, j'ai passé 1h3 maintenant à m'énerver. Je crois qu'on va dire que cet épisode n'existe pas et je vais repartir. Sur de bonnes bases, je crois qu'on va faire ça en fait. On va dire que cet épisode là n'existe pas. Je vais juste supprimer la vidéo, même pour plus jamais la voir de ma vie. Je vais juste garder les points importants de la vidéo. C'est-à-dire, bonjour, ce jeu c'est de la merde, au revoir. Et voilà, et on va s'arrêter là et on va reprendre une prochaine fois quand non seulement je serai calme. Mais en plus, quand le temps, l'eau aura coulé sous les ponts, parce que là, j'ai même pas compris comment je suis pas mort là, mais ok. Ok, là j'ai pas compris pourquoi ça a pas marché, c'est pas grave. Ah non, puis faut pas aller là en plus, évidemment, il y a les bananes juste pour vous troller. Et pourquoi là il a pas rebondi? On sait pas. Un truc de fou. Et là pourquoi il a pas sauté, on sait pas non plus. Allez je m'arrête, ça sert à rien, je vais juste casser un truc. Le gameplay des animaux est nul. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Le gameplay des animaux est nul. Entre l'araignée et ses toiles qui disparaissent de manière random. Le piaf. Qui a un gameplay chelou et qui tire pas droit. Le serpent. Qui a des sauts moisis, qui marchent qu'une fois sur deux, et qui en plus a un super saut qui ne marche pas comme il faudrait qu'un super saut marche. Je suis désolé. Le gameplay des animaux dans ce jeu est nul. C'est aussi simple que ça. Y a rien d'autre à dire, y a rien à sauver quoi. Évidemment le rhino ça marche, parce que le rhino il était déjà comme ça dans le 1, donc bah du coup ça marche. L'espadon ça marche aussi. Parce que pareil, il marchait dans le 1, donc ça ils ont pas changé, donc ça marche aussi. Mais le reste, y'a rien à sauver quoi. Pourquoi il a pas sauté là? On ne sait pas. Pourquoi il a pas sauté? On ne sait pas. Et pourquoi il a pas ressauté? On ne sait pas. Mais il va sauter ou tu vois ou pas? C'est-à-dire que. Ouais, non. Y'a rien à dire. Rien à dire, c'est de la merde et c'est tout. Là il faut que j'essaie d'y aller gentiment, le problème c'est qu'avec le scrolling forcé en plus. Évidemment il fallait que ce niveau en plus soit un scrolling forcé, hein. Sinon ça aurait pas été drôle. Mais en fait si je pouvais tirer droit ça m'arrangerait beaucoup. Punaise, j'ai eu chaud aux fesses là.
pourquoi je l'ai pas eu là, on sait pas. Donc là on va éviter de tomber dans le même piège que d'habitude. Merde, flûte. Mais surtout que je crois qu'il faut pas que j'active le checkpoint en fait, parce que le problème c'est que quand on repart du checkpoint, on perd tout l'avant, toute l'avance qu'on a. C'est ça le truc, c'est voilà le plutonium, il est à 2 mètres de vous quand vous reprenez depuis le checkpoint. Alors que sur le checkpoint, bite, le checkpoint il est super loin quoi. Hop, oui évidemment, le plutonium il est super loin quoi. En gros toute l'avance que vous gagnez dans la première partie. Pendant que vous vous arrachez les cheveux avec ce serpent daubé. Mais merde, je fais tout le temps la même erreur ici. Bah, toute cette avance, vous la perdez. Du coup, ça vous stresse à mort après. Donc, ouais, les amis, je crois qu'on va s'arrêter là. Je sais même pas si vous aurez une vidéo. Je sais même pas si ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est presque 2 heures de vidéo, je vais pouvoir en garder quelque chose parce que. Ce beat, si c'est juste pour m'entendre râler, je vois vraiment pas l'intérêt. Vous non plus, j'imagine. Va te faire foutre. Et je pense qu'on va garder le moment jusqu'à. On va garder jusqu'à ce qu'on arrive là. Parce que la première partie, ça allait. Hein. Quand les niveaux étaient encore cool, ça allait. Mais là, franchement, ce niveau de l'enfer du cul, là, c'est pas possible. Là, je crois qu'on est vraiment arrivé à un stade où il faut absolument. Oh, d'accord, là je me suis pas fait toucher, évidemment. Oh là là. Mais par ça, c'est vrai que les jeux vidéo étaient mieux avant. Ah ouais. Ah, qu'est-ce que je m'amuse là, c'est un truc de fou. Ah ouais. Merde. Mais oh, vas-tu tirer droit? Enfin, évidemment, il va pas tirer droit parce qu'on l'a pas programmé pour, mais. C'est un peu triste quand même. Cet animal aurait pu être sympa. Celui-là, il aurait pu. L'araignée, voilà, c'était foiré à cause de. En fait, c'est. Ouais, enfin. Si c'était pas random, l'étoile, bah ça aurait pas été foiré, mais c'est quoi ça? Oh! Oh non! Maintenant, faut que j'aille avec l'araignée, vous êtes sérieux? Oh là là. D'accord, ok, d'accord. Et maintenant, il faut que je fasse. Elle tire pas. C'est mort quoi. Oh, mais c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Les amis, c'est mort. On va jamais y arriver. Il faut que je passe ça avec l'araignée maintenant. Avec l'araignée et son gameplay tout aussi daubé que les autres animaux de ce jeu. Bah oui, parce que l'araignée, ça marche dans les niveaux. Vous avez le temps de réfléchir un peu à ce que vous faites. Quand vous êtes en scrolling forcé, c'est pas possible. Non. Non, non, c'est pas possible. Les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que sinon je vais casser un truc. Je sais même pas si vous allez avoir une vidéo. Si vous en avez une, je sais pas quoi elle va ressembler. Vous m'excusez par avance, mais... Honnêtement, là j'ai 2 heures d'enregistrement. Si à la fin la vidéo fait 20 minutes, vous comprendrez pourquoi. Parce que... Ah là là, ça fait longtemps que j'ai pas joué à un niveau aussi merdeux que ça. Hein. Ah ouais, c'est fort. Là, ils ont fait fort. Je crois qu'un niveau aussi pourri que ça, ça fait longtemps que j'ai pas joué à ça. Hein. C'est un exploit, c'est un bel accomplissement. J'avais dit bravo. Ils ont réussi à faire un des niveaux les plus pourris de l'histoire du jeu vidéo, ça fait plaisir. Mais voilà, bah du coup, on va s'arrêter là-dessus et je sais pas comment on va faire la prochaine fois. Je crois que je vais le faire hors vidéo ce niveau. Je crois que je vais faire ça. En fait, je vais m'enregistrer pendant que je joue à ce jeu hors vidéo, pendant que je fais un autre truc à côté, comme ça j'éviterai de casser un truc. Parce que je peux pas parler en même temps, ça marchera pas. Donc voilà, je vous propose de faire ça comme ça et la prochaine fois on se retrouvera après, une fois que ce niveau sera fini. Parce que sinon, sinon on va pas s'en sortir. Allez les amis, je vous dis à la prochaine et surtout d'ici la prochaine, portez-vous bien, priez pour moi. Parce que voilà, vous, même la démo elle sait pas jouer elle-même, ça, c'est... ça fait plaisir. Allez les amis, on s'arrête là pour aujourd'hui, j'ai assez souffert je crois. Je vous dis à la prochaine et comme d'hab d'ici la prochaine, surtout portez-vous bien. Salut à toutes et à tous !